Ça commençait avec une idée que j'avais. Je faisais des petites mélodies, puis j'ai appelé ça les pianos cadeaux. J'envoyais ça à mes amis, au monde que j'aime, ou qui vivaient des choses. Tu t'envoies ça, c'est pas long à downloader. Tu le reçois chez vous, puis ça fait ting ting, ah, parce qu'elle m'a envoyé un piano cadeau. Ces belles musiques-là, émouvantes, touchantes, je les transmettais à mon amie d'enfance, Linda. Linda étant en fin de vie à ce moment-là, ces musiques-là étaient pour elle une source d'espoir. Ah là, ça va être pire! Non, ça va passer après, là. OK, merci! En fait, pour ça, c'est cadeau, là. Alors, cette musique-là était pour elle une source de motivation à vivre sa vie pleinement jusqu'à la dernière minute. Des fois, ça prend des petits gestes comme ça pour partir des grandes idées puis des grands projets. Linda et moi, nous avions fait un pacte, c'est-à-dire de faire connaître la musique à Pascal, parce qu'on trouvait ça dommage que toute cette belle musique classique d'ambiance si émouvante reste cachée dans son ordinateur. On a mis toute notre énergie, elle et moi, pour appuyer Pascal, pour faire la mise en marché de cet album. J'espère que cette belle créativité musicale saura toucher vos cœurs autant qu'elles ont touché les nôtres. À vous de le découvrir. Tout ça vient d'une petite graine que j'ai semée avec des petites notes quelque part, puis qu'il y a du monde qui a embarqué là-dedans, puis c'est, je trouve ça tellement fantastique, t'sais, que c'est la musique qui fait rayonner ça. T'sais. T'sais, c'est ça qui est incroyable. Hein. C'est une petite chose dans toi, puis que t'as semé comme un petit jardin, puis waouh, ça prend de l'ampleur, puis ça part, puis c'est pas ce que ça s'en va. Puis tu dis waouh. Puis waouh, oui, je vais en faire d'autres jardins, je suis sûr. Je suis sûr de ça. Yes.